and welcome. Let the dancing begin. Ben, je vous propose de faire connaissance avec Vincent Posé. Voilà. Qui est acteur, mais aussi le public et acteur ce soir. Je vous propose de partir à la visite d'une maison. La maison de monsieur, j'ai tout compris. J'ai une éolienne. Vous entendez? Vous entendez? De rien. Eh ben justement, voilà. Ça fait pas de bruit. C'est ça qui est bien. Je pensais qu'une éolienne, ça ferait il y a une petite colline derrière nous, donc c'est pas tout le temps que ça tourne, mais quand ça tourne, c'est pareil, il n'y a pas de bruit. A-F-A. Oui, c'est le nom de mon chat. Bon. Opa, O-P-A-H. Ça, c'est le chien. Et je me suis dit, pour économiser le chauffage, si je multiplie les êtres vivants dans ma maison, eh ben, ça va chauffer. Attendez, vous ne branchez pas tout de suite. Donc ça marche par pile, il y a une petite hélice. Si c'est rouge, c'est qu'il y a des courants d'air, c'est que les roues clignotent. C'est un circulaire d'air. On va voir ce que ça donne. Au niveau de la circulation d'air, c'est le problème de ce genre de bâtiment. Et si vous installez du photovoltaïque, honnêtement, vous allez même gagner de l'argent. Mais normalement, vous gagnez à peu près 75 centimes à 1 euro par jour grâce à la revente. Et si vous calculez bien, 30 000 euros, ça va aller très très vite en nombre de jours. Donc je pense même que... Par contre, moi, pour mes supérieurs, je suis obligé de le faire signer. Est-ce que vous signez, monsieur? Et on est entre nous. On appelle ça. Vous, alors? J'ai fait ce métier. À la fin, on doit appeler son chef. Ou le chef de son chef. Exceptionnellement, et on va lutter pour le client. Oui. Pour lui, pour le satisfaire, on va aller lui chercher une opportunité de rêve qu'il ne trouvera jamais ailleurs. Et pour qu'il signe maintenant. Comme ça a été dit, prenez le temps de la réflexion. Et si vous avez vraiment envie de faire des travaux, faites faire plusieurs devis, comparez les prix. Et faites faire appel à des entreprises plus locales. Avec le chauffage électrique, etc., on arrive à peu près à quel... C'est pas l'énergie que vous consommez, c'est pas l'énergie finale, c'est l'énergie primaire qui est indiquée. Est-ce que vous conseillez de faire en premier sur une maison, par exemple, ce qu'on doit faire? La première chose qu'on va faire, un audit thermique, ça tombe bien parce qu'en ce moment, la région finance des audits à hauteur de 800 euros. Le coût brut des travaux fait peur, mais après, il faudra le coût net, c'est-à-dire après aide financière. Les aides financières sont plus importantes pour des rénovations globales. Ça amène un côté ludique à quelque chose qui peut être un peu compliqué sur la partie administrative. Ça amène aussi du divertissement et de la légèreté. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait mes travaux et je veux changer ma fenêtre. Et je vais vous demander de me donner comme ça les interlocuteurs que vous pensez. La mairie, les 7 vents, la mairie, ils m'ont dit que, manque de bol, je suis dans une zone où il y a un bâtiment historique. Donc ça veut dire qu'il faut passer par les bâtiments de France. Pour le changement d'une fenêtre, il va y avoir principalement deux aides. Il y aura un crédit d'impôt. Donc si vous respectez bien les critères de performance et que l'entreprise est bien argée sur le type de travaux que vous souhaitez faire, vous avez potentiellement ce crédit d'impôt qui est possible. Vous avez une autre aide qui est possible qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Merci de votre participation. Donc moi je suis issu du milieu du bâtiment, donc je comprends que des particuliers qui ont envie de faire des travaux puissent être complètement perdus. Je crois que dans la Manche on a beaucoup de mal, c'est pas que dans la Manche d'ailleurs, à faire bouger les gens sur ce genre d'initiative. Et le fait de le faire passer sous jeu de rôle, je pense que ça fait percuter les gens beaucoup plus facilement. À la fin de chaque scénette, il y avait l'interaction avec le public et en plus une petite synthèse des 7 vents
qui redonnait un peu les points auxquels fallait penser. Donc ça, oui, j'ai trouvé ça très bien. Le but de la soirée, en fait, c'était d'essayer de sensibiliser les gens sur la maîtrise de l'énergie, leur projet en fait de rénovation, mais surtout d'essayer de les confronter de manière un peu comique en fait à leur quotidien. Et du coup aussi leur apporter à la clé des solutions concrètes aussi sur la manière dont on peut se sortir en fait de ces petits tracas en fait liés à ces projets.